Je sais était pas très. qu'est-ce que t'as contre les cocoricos, mais en tout cas, tu lui en veux au cocorico. Mauvaise expérience Oui, je pense aussi. d'affaires médiévales. Allez, allez, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Farming Simulator 2015, mais totalement, cette fois-ci, en multiplayer. On va complètement changer le concept. Il y aura toujours des épisodes normaux, en solo, mais aujourd'hui, il y aura aussi des épisodes en multijoueur avec Mystico Gamer. Comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va et toi? Alors aujourd'hui, on va faire un peu de multiplayer pour le farming. C'est un petit concept qu'on a trouvé, moi. Le truc, c'est un concept qu'on n'a pas inventé, parce qu'il existait déjà de base, hein, c'est logique. Mais ça va changer un petit peu la donne, hein. Franchement, je trouve ça plus intéressant de faire du multi un petit peu une fois de temps en temps sur ce jeu. Oui, c'est ça, ouais. Et puis après, voilà, je t'avais proposé de faire une vidéo avec moi, quand en commentaire, et puis voilà quoi. Donc là, ça Ouais, bah fait ouais, ça va première faire du vidéo bien. avec un abonné. Grave, et en plus de ça, toujours en facecam. Je vais pas arrêter mes conneries avec la facecam. Non, je plaisante. voilà. Donc, Mystique, t'as déjà attaché les remarques? Ouais, j'ai déjà acheté, moi je suis prêt. Hein. Je viens de faire une grimace sans déconner, c'est honteux! C'est honteux, bah moi je vais attacher la moissonneuse. J'ai envie d'attacher la moissonneuse. Vas-y. La moissonneuse? Ah, bah d'accord, ah ouais, d'accord, la moissonneuse commence bien, ça tâche pas. Bon. Voilà. Donc je vous garantis pas que ça sera varié en thème de conneries, parce que ça c'est quasi coup sûr, je vous le garantis en rien. Que ça va être sage, parce qu'avec Mystique, apparemment il a l'air d'être le roi de la connerie. Et en plus de ça, il me court au cul comme si j'avais un pommier aux fesses. Ouais, bah je suis un ours, hein, non? T'as pas Putain, vu? arrête! Non, bon. Non, Bon, on va retrouver. Tu veux voir ton copain le coq? Ce qui est parce lui? que Non? je vais mettre une balle, moi, au coq. T'as l'air de lui en vouloir quand même à lui. Hein. Ouais. Ouais, tu l'aimes bien le coq. Hein. C'est dingue ça. Donc, alors, on va. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu proposes vraiment? Parce qu'on a recommencé vraiment totalement la partie. Hein. C'est sûr, sur la Vosges 4.2. On n'a pas changé la map. Mais on est reparti sur une nouvelle partie pour le multiplayer. Voilà, donc comme ça, il y aura une solo. Donc la continuité de l'ancienne et le multiplayer sur la Vosges, toujours pareil, mais en renouveau. Tout simplement, ça va faire un petit peu des deux. Ça fera un petit peu plus de variété. Voilà. Parce qu'en multi, je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça et c'est beaucoup plus intéressant des fois. Bon, Mystico Gamer, on a l'impression que t'as un petit peu un problème de façon de marcher quand même. Hein, on dirait un canard. Hein. Ouais. Grave. On m'appelle Daffy Duck dans le métier. Ah ouais? Ouais, donc. Voilà, donc c'est vrai que Mystico Gamer tenait vraiment à faire une vidéo avec moi sur farming. Et je trouvais ça intéressant, hein, c'est un bon truc. C'est cool, hein, parce que toujours tout seul sur jeu, c'est un peu des fois un peu lassant. Hein, Ouais, c'est franchement, clair. t'as vite fait le tour, hein, en fait. Ouais. Hein. T'as vite Ah fait le là. tour, hein, tu regardes en l'air comme ça, tu tournes en rond, t'as vite fait le tour. Hein. Imagine les trucs, quoi. En fait, c'est dommage que tu vois pas mon avatar lever la tête, c'est dommage. Ouais, j'avoue. Mais bon, alors par contre, ouais, qu'est-ce qu'on Bah, si tu peut. veux, je te laisse moissonner. Tu veux pas moissonner, non? Je suis pas chaud. Bah, allez, si tu veux, j'y vais. Non? Moi non plus. En plus, c'est vrai que c'est même pas prêt, c'est même pas fini de pousser. Ouais. Non. Non. Alors, je tiens à dire que c'est vrai que Mystico ne connaît pas la map, hein. C'est la première fois qu'il est dessus. Pour un Vosgien qui n'est jamais allé sur la map Vosges, c'est honteux! Non, c'est la première fois qu'il est sur la map des Vosges et je tiens quand même à te faire découvrir un petit peu la map, parce que tu l'as pas totalement découvert avant l'épisode, Non, avant de non, pas commencer du la tout. vidéo, non? Ben non, pas du tout. Alors viens, viens, suis-moi, que je te guide et que je t'emmène faire visiter cette map qui est juste énorme! Voilà, donc ouais, encore merci à Restricted, hein, pour son travail formidable, hein, qu'il a fait sur cette map. Il a fait un boulot quand même assez complexe, hein. Ouais, franchement, ouais, y a un travail assez poussé quand même. Rien qu'au niveau des silos et tout, c'est Ah, vraiment bien fait. Franchement, j'adore. ça change la donne, hein. Avec le petit pont et tout. Bon, le petit pont, je te le dis, Mystique, ce n'est pas fait pour sauter, hein. Non, non. Tu non, parce que je pense que Non, je. non, mais par contre, il y a un coq qui va être noyé là bientôt s'il continue à faire son cocorico. Mais bon. Excusez-moi. Oh là là, ça y est, je suis malade. Au secours! Voilà, donc tu étais où exactement? Ah, t'es là. Là, je suis derrière toi. Voilà, alors je t'explique un petit peu. Ici, là, cet endroit-là, je sais pas si tu peux passer à travers la porte. Oui, c'est magique, on passe à travers les portes. Ah, on est un peu fantôme à la fois, et tu Oui, vois. donc on disait un travail très mal fait parce qu'on passe à travers les portes. À ce niveau-là, ouais, un petit peu, mais bon, après, c'est pas grave, hein. Puis une botte de paille là qui est en l'air. Ah bon? Ah oui.
Effectivement, il y a un petit problème de paille là, juste là. Donc, résultat, il va falloir revoir ça. Hein. Non. Bon, voilà. Donc, ici, Mystique, c'est là où tu vas revendre. Là, on va revendre toute la paille. D'accord. Et l'herbe. Ok. Là, c'est sous un hangar que je trouvais vraiment sympa. Franchement, ça fait sympa comme ça. Moi, j'aime bien avec l'herbe et tout. La texture de l'arbre qui passe un peu à travers. C'est joli quand même. On dirait que c'est. Ouais. Les feuilles remontent à travers, c'est plutôt vachement bien foutu à ce niveau-là. Donc là, c'est tout ce qui est la paille et l'herbe que tu peux revendre. D'accord. Voilà. Ici, t'as. Ici, t'as. T'as. Bah, j'en sais rien. Je crois qu'ici, c'est le compost, non? Saatgut. C'est en allemand, hein, donc je vais pas essayer de parler allemand. Ouais, Saatgut. par contre, je veux pas dire, mais bon, une map Vosges et en France, ils auraient pu marquer en français, quoi. Bah, il a mis en français, il a mis en français, mais généralement, la plupart des modes sont en allemand. Ah C'est pour ouais. cela en fait, il a fait quand même aussi un effort de bien mettre des panneaux comme ici. Il l'a mis en gros, tu vois, silo à chaud. Et c'est bien marqué, il ne marche pas en multi. Ouais. Donc je dis, hein, le premier couillon qui demande, ouais, ça marche pas la chaud sur le multi. C'est marqué en bas en rouge à gauche, pour ceux qui n'ont pas vu, qu'ils achètent une paire de lunettes ou alors qu'ils zooment sur le bordel. Ça ira bien plus vite. Ouais, hashtag optique 2000, quoi. Voilà, hashtag boutique 2000, hein. Le hashtag, tu sais, c'est. Puis hier, il me. Ah, ah j'adore. Donc là-bas, t'as les silos, ce qui est tout à fait logique. J'ai pas besoin de te l'apprendre, hein. Tu le sais déjà, tu l'as déjà vu. Oui. Voilà. Et ici, t'as tous les enclos, donc tout ce qui est les petits porcinets. Avec D'accord. Peggy, bien sûr, faut pas l'oublier. Peggy, la grande classe La grande attitrée cochonne, de. quoi. Voilà, Alors, c'est notre ami. Et les portes s'ouvrent, c'est magique. ouais. Ouais. T'as, donc, t'as pour Peggy, moi je vais appeler maintenant le silo à Peggy. Et le silo à veau. Ah ouais. Ouais, t'as le silo à veau qui est plutôt sympa avec la remorque normalement que tu dois avoir dans tes modes maintenant pour les emmener à l'abattoir. Mais tout ça, on les découvrira au fur et à mesure du jeu. Par contre, j'ai fait D'accord. ça moi. Ah! J'ai fait une connerie pour pas changer. Voilà. Et après là-bas, je sais pas, j'ai toujours pas su ce que ça voulait dire. Il y a une sorte de bordel, une sorte de grosse machine. C'est comme si tu vas là-bas, je te fais un barouf. C'est Ouais. énorme. Ouais. Je sais plus, c'était marqué sur la pancarte, mais. Ah, d'accord, il fallait la remorque. Oh, il fallait la remorque que j'ai supprimée, Putain, comment ça s'appelait? La Jordan? Non! La Fortuna! D'accord. Voilà, en fait, c'est du compost. Mais le petit truc rouge là, qu'il y a sur l'image, tu l'as hein, normalement. De petits trucs rouges. Ouais. L'espèce de benne Ah, rouge. oui, ouais, on l'a en mode, ouais. Ouais, effectivement. Mais par contre, avec quoi on la charge? Parce que faut un. J'en sais rien, en fait. Ouais, bon, bah écoutez, vous savez quoi, j'en sais rien. Oui, là, j'étais clair au moins. Je veux pas dire, on m'a peut-être bossé, non, Marcel? Non, parce Oui, que. oui, Jean-Charles. Jean-Charles. Simone pour les intimes. Ouais, Simone Non pour mais les intimes. Par contre, ouais, c'est bien, mais on est en mode normal et le champ, il n'a pas poussé. Ouais. Bah, C'est d'un côté logique. là le temps il est en réaliste. Ah bon? Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est lent. C'est très lent, donc il va falloir qu'on augmente le temps fois 1000. Fois 1000, fois 120. Et un Mystique qui court. Vas-y, vas-y, cours, Forest. Mystique Cours au gamer. Astérix, mon. On a vu Lucius Bolt. Il court et il saute aussi loin qu'il a couru. Ah, par contre, j'appuie pas. J'appuie pas. J'appuie pas. Ah bon? Bah écoute. J'irai bien à la maison là-bas, moi, tiens. Bon, en tout cas, si on va profiter du temps que ça pousse là, silence, hein, ça pousse. Bref, Silence, ça pousse, ouais. Silence, ça pousse, c'est une émission, ça, je vous jure. Elle est excellente, à vous deux. ouais, Franchement, le mec, il qu'est-ce met que je veux 2 heures dire? pour mettre sa graine. Hein. 2 heures après, il a toujours pas mis la graine, le mec, quand même, il a fait fort. Hein. Peut-être. Ouais, ça dépend dans quel sens qu'on le voit, quoi, mais bon, hein. Oh non, mais la graine, tu sais, celle qui éclore. Mais tout porte confusion à chaque fois, t'es. On a jamais fini cette affaire. Ah Putain. oui. Hein. Aïe, aïe. Bon, Ah oui, non, j'aimerais bien mais. qu'il pousse le champ quand même. Peut-être Hein. que je veux dire quelque chose, mais je sais plus. Ouais, par rapport au 2013, il y a quand même un énorme changement. Ouais, c'est vrai que, ouais, il y a du changement, ouais, effectivement. T'as Bon, trouvé quoi comme ça. changement? Bon, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé du changement, c'est vrai, mais graphiquement, il reste le même, Les hein. machines. Ouais, enfin, si, ouais, graphiquement, c'est les mêmes, mais comment dire. Tu regardes déjà, pour les champs, c'est beaucoup plus réaliste, je trouve. Tu sais, quand tu remues la terre et tout.
Ouais. Certaines textures ont été bien améliorées. Puis les traces des pneus et tout. Puis maintenant, enfin, les véhicules sont tous lavables, quoi. Ouais, Donc, ça c'est un bon concept, c'est vrai que... J'avoue, pour ça, ils ont assuré quand même. ouais, ça, franchement, ouais. Après, on verra au fil du temps s'ils nous font des mises à jour et tout. D'ailleurs, je crois qu'il y a un... Si je me trompe pas, il y a un DLC là qui est sorti. Mais après, faut voir ce que ça donne, quoi. Hein. Parce que, voilà, les DLC qu'ils proposent, faut pas oublier qu'il y en a, ils sont payants. Mais des fois, on les retrouve en tant que mode séparé, quoi, hein, seul, sur le net. Donc, ça sert à rien de les payer, quoi. Ah, le DLC a été sur Honor? Ouais. Je regarde un petit peu, il m'a pas l'air fameux, hein, en fin de compte. Hein. Bah perso j'ai pas accroché donc après n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez du nouveau DLC. Ouais, parce que franchement, moi je l'ai pas trouvé terrible, hein. Franchement, le DLC ITC. Ouais, quoi, il est pas. Il est pas terrible. Moi je l'ai pas apprécié du tout. Après, ah, je suis en train de penser, mais on est trop bête. On a deux remorques. Oui. Pourquoi on prend pas un tracteur supplémentaire? On a un tracteur supplémentaire, on a un tracteur en plus, pourquoi pas le prendre et commencer à vider les silos? Si tu veux, ouais, comme ça nous occupera. Voilà. Et tu prends quel tracteur? Celui-là. Vas-y, je vais prendre celui-là, hein, mais c'est bon, je vais au plus loin, t'inquiète. Ouais. Ouais, Par t'inquiète. contre, je vais ben, la décrocher, voilà. Hop, voilà, on se retrouve avec des deux remorques complètement daubées. Oh, quoique, elles sont pas si mal. Putain, c'est excellent, franchement, du Farming Simulator 2015 en multi. C'est une première. Ah mais j'ai pas klaxonne, c'est vrai. Il klaxonne! Et comment on fait le klaxonne? Le temps est remis en x5. Horn, non, c'était pas le O normalement, hein, c'était Horn, non? H alors. Non, j'ai pas du klaxonne. Le 0 au-dessus du O. Ah ouais? Oh, faut Ah toujours oui. apprendre à ces jeunes. Oh, ça marche. Hein. Et allez, ça marche. Et klaxonne. Tutut! C'est le mariage! Hey! Coucou! Salut! Oh là 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 Oh là là. putain! Pas de vulgue! Pas de vulgarité, s'il vous plaît! Non mais franchement, sérieux quoi! C'est pas cool! Bon, qu'est-ce que tu vides? Je vais prendre l'orge alors, si t'as pris le blé. Bah, je prends le. Ouais, il me faut des thunes, donc je vais prendre du blé. T'as compris? Ah oui, alors comment ça se fonctionne au niveau de l'argent là? Est-ce que c'est chacun son compte ou c'est le compte général? Non, là tout est pour toi, mais t'inquiète, garde. Non, non, Je vais après on va prendre se ta faire un thune. transfert d'argent. Non, non, parce que. Comment? Normalement, si je me trompe pas. Comment dire? L'argent que tu vas me donner. Ouais. Quand on reprendra la partie, donc quand on va quitter et qu'on va la reprendre, j'aurai zéro. Donc D'accord, ouais, mais autant que tu comment gardes. savoir si tu vas acheter, si t'achètes, ce sera sur mon compte. Ouais, voilà. Enfin, non, mais ça sera à toi d'acheter. D'accord, bon, on Du va coup, faire. je te suis pour Ouais. vider. Ouais, tu sais pas ça, d'accord, bon, bah, suis-moi. Ouais, en fait, en gros, c'est un compte global, quoi. Ouais, voilà. Bon, on a inventé le concept de compte d'entreprise. Voilà, Oui, donc pour suis-moi. Ah, ça l'instant. a poussé. J'ai la honte. J'ai la mort. J'ai des boules. Ça pousse au moment où on a fini de faire des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment bien foirousse. Viens là, toi. Ouais, là. Putain, ça glisse. Oh, franchement, ils ont. Sur ce jeu, c'est un truc de fou. Comment ça glisse? Ah ouais, c'est clair. T'as vu ça? J'ai l'impression que t'es. On se demande des fois si. C'est pas fait que prêt. J'ai pas fait que prêt que j'ai un chat là. T'arrives à me suivre? Oui. Je t'ai pas perdu? J'ai une trottinette à la place d'un tracteur, mais je te suis. Rentre-moi pas dedans. Hein. Attention, je recule, je t'entre dedans. Non. En plus, on a le tracteur John Deere et on a le Fendt. Ouais, pour Ça, les j'aurais bien nouveaux acheté le véhicules. Fendt. Il a combien le Fendt? Je sais pas. Oh super, il a un mode, il connaît pas le prix. Ah oh, excellent! Alors là, toi tu vas aller loin. 211 000. T'es sérieux? Ouais. Oh, sans déconner. 211 000! C'est abusé. Oh, le Je suis 137, choqué. par contre, il est là. Il est complet. Putain, c'est dommage qu'on peut pas se le payer. Oh, c'est quoi comme prochain achat? Comme tu veux, hein. Ouais, faudra qu'on sache. C'est ici qu'on vend? Ouais, c'est par là, ouais, on va aller au train. On va gagner le double. Ah oui, d'accord, T'as jamais su le concept du train? Non. Eh ben si t'avais vu mes vidéos, tu aurais vu que le concept du train, quand tu l'actives, tu le fais partir, tu gagnes le double de ce que t'as gagné. D'accord. Ah ouais, il te fait gagner le double train. Et ça, c'est plutôt pratique. C'est ton train-train quotidien, quoi. Voilà, c'est mon train-train quotidien. C'est le train-train quotidien, putain. On est deux, c'est le bordel, alors si je dis pas ça, on va être 3-4.
Oui, bah il n'y a pas Flyzer hein, encore, donc... Freezer, Flyzer, excuse-moi. Freezer. Ouais. Il va me tuer. Je t'ai rien dit, j'ai rien dit, je te promets. Bah vaut mieux pas qu'il voie la vidéo avant ce soir, quoi. Bon, Freezer, je t'invite, Flyzer, à regarder la vidéo. Hein, tu verras, je t'ai appelé Freezer. J'arrête. C'est pas drôle, je sais. Bon, je descends en plein saut, en pleine route. Et mon bonhomme, il s'est caché la gueule. Il est où? Mais t'es où? Tu t'es perdu en cours de route? Non, il arrive. Oh là là. Activation de la magnette. Au revoir le train. Au revoir. Je vais courir plus vite que lui. Je veux prendre le train. Salut. Non, il veut pas. Ah si, je suis dans le train. Non, il glisse. Merde. Ah ouais, là le train. Ok. Au revoir le train. À la semaine prochaine. On renvoie une carte postale. Hein. Well. C'est bon, ton tas de ferraille là. Mais c'est là que tu vides. C'est là qu'il faut vider. Ah, il faut tout leur apprendre. Ouais, bah t'es mon patron, hein. Bah attends. On est chef, on l'est pas, hein. Aïe non! Je suis pas assuré, hein. Merde, j'aurais jamais dû dire ça. J'ai pas d'assurance pour ça. Alors, 48 millions, c'est fait. Et encore, j'ai peut-être une connerie, parce qu'on a pas tout vendu. Voilà, non pourquoi il veut pas vider, ce con? Rassure-moi, je peux vendre le blé ici. Bah oui. Ouais, il veut pas. T'es sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Non, il veut pas. C'est il me fout dans l'autre sens. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le train? Ah, peut-être. Est-ce qu'il faut le rappeler le train? Train, train. Bah ouais, mais... Non, il veut pas. Ah, oh, le con, il veut pas. Le train! Tiens, mon devoir, des fois que, mais. Ouais, c'est bizarre cette affaire. Ouais, moi non plus. Ouais. Il veut pas. Non, il veut pas. Ouais, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas le train. Ouais, il revient dans combien de temps ce couillon? Ah, je sais, il s'est peut-être perdu en cours de route, il a peut-être déraillé. Non! Déraille pas! Ah sérieux, ah non. Ah ça c'est pas cool. Ouais. Merde. Lève là, non? Ah il arrive. Bon il revient en marche arrière. Ah ça c'est fort, regarde. Ah il est pas sur marche arrière, il revient en marche arrière. Ah excellent. Ah oui, il revient en marche arrière. Ah excellent, j'adore le concept là. Non, franchement c'était... C'est trippant. Et là, normalement, tu devrais pouvoir. Ouais, non. Il me dit pas de vider pour autant. Il veut pas? Ouais. Il veut partir le train. Mais je l'ai fait partir le train, qu'est-ce qu'ils veulent? Il veut rien savoir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je suis pas vrai! Ah mince, quand j'appuie sur O, sur le 0, il crie pas mon bonhomme. Ah, ça y est, déchargé. Regardez, et que la magie opère. Bon, ça passe à travers la texture, c'est dégueulasse, je sais, mais... Ça marche au moins. T'as tout vidé. Tu sais comment on active le train? Ouais, faut aller dessus, là. Ouais, il faut appuyer sur une touche selon ta configuration de ton bouton, ta manette ou... Ah ouais, là, c'est R. T'es sur le clavier? Ouais. Je passe par-dessus, lui, c'est ce bol court plus vite que le train. Oui, vas-y, Raphaël, t'arrête pas, BMIL. Non, ça marche pas. Voilà, et voilà, on a tout vendu. Oh, 64 000. On va monter encore parce que, vu qu'on a vendu le blé, t'as vendu le blé, moi j'ai vendu l'orge. On va se faire du blé. Ouais. Vendre du blé pour acheter, pour récupérer du blé. C'est excellent. Le concept est bon. Hein. Le concept est très bon. Moi je trouve que des fois, comme ça, je suis plutôt pas mal. Voilà, je te guide. Après, il va apprendre tout seul comment on fait pour aller là-bas. Wow, 85 000. Là, j'aurais bien racheté une moissonneuse, mais une moissonneuse, ça va être chaud. Ouais. Ouais, quoique, une moissonneuse, ça pourrait pas suffire. C'est comme tu veux. Je me suis trompé de route. Quel con. Quel est le couillon qui trompe les routes, raha, ici. Roule là.
Ouais. Ah mais oui, c'est vrai, en plus tu l'as le mode de la chariote à bois. Du broyeur. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je crois, hein, je sais même pas si on l'a si je l'ai mis ou pas. Sympa ce mode qu'on m'avait fourni, Restricted. Équipement forestier. Ouais, c'est ça, allié. Ouais. 554 000. Ça fait mal au fion. Il y avait très mal, ouais, c'est ça. Objet à placer, ça on s'en voit un peu pour le moment, on n'a pas besoin. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le Fendt! Fendt White, d'accord, ok. Elle est là la remorque, ça c'est cool. J'ai pas supprimé la bonne remorque en fait. Et Monsieur Granel, rendons. Ah, il est à 211 000, ouais, effectivement, ton tracteur il est cher. Hein. Oh bah Mais il doit être sympa. ouais, il est sympa, Il doit être sympathique, j'ai chaud par contre. C'est abusé. Non, je ne me dépoile pas derrière la cam, je tiens à le dire. ouais. J'en arrête tout de suite. Juste que je déboutonne ma chemise parce qu'il fait trop chaud. Parce que depuis que je suis rentré du travail, je me suis toujours pas changé. Hein. J'ai mis un survêtement, mais j'ai gardé l'eau quand même. Mais je garde toujours un petit t-shirt dessous, l'effet de surprise est toujours là. On a vidé l'orge, le blé, Là, je suis au colza. maïs. T'as vu les textures, on la voit pas apparaître quand on vide. Moi, oui. Enfin, dans la remorque, oui, mais pas. Voilà, t'as vu dans la remorque qu'on l'a et pas en dehors. Ouais. Bizarre. Pour ceux Tu trouves? qui ont jamais joué au FS15, faut pas s'inquiéter, hein, c'est la map. Hein. Voilà. C'est pas. Et fesses et pas fesses. Oui, oh, Farming Simulator 2015, si tu Voilà, préfères. non, mais y en a qui portent en confusion qui diront, ah, il a, t'as vu, il a dit fesses. Et qu'en fait, pas du tout. C'est pas ça, hein. C'est fesses complètement. C'est totalement différent. C'est pas un jeu de cul, hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Soyons indulgents. Politiquement parlant, faut qu'on soit moins vulgaire. Faut être politiquement correct. Voilà, politiquement. Mais sans déconner, mais. Sans parler vouloir parler politique, mais franchement. On ferait mieux de se payer, il ferait mieux de se péter une jambe. Du moins, pourquoi Ouais. moi j'ai dit ça? J'en sais rien. J'en sais rien des fois. Voilà. Donc c'est la première fois que. Comment il s'appelle Mystic Gamer fait une vidéo avec moi. À mon avis, il va le regretter. Il doit le regretter là. Ouais, bah j'ai préparé la corde là en fait. Hein. Ah là, c'est ça. Il va se dire, le pauvre. La prochaine fois, je fais plus vidéo avec lui. C'est n'importe quoi. C'est complètement bordélique. Non, ça va, tu t'amuses quand même, ça va, ça Ah te bah plaît. oui. Tu vois, c'est bronzé, c'est comme ça, c'est. Oui, parce que Mystico Gamer est aussi un youtubeur, à préciser. D'un youtubeur qui tourne avec à peu près 100, 165 abonnés, à ma dernière vue que j'ai vue sur ta chaîne. Hein? Ouais, Voilà. 163 pour être très précis. Voilà, très précis, voilà. Faut être toujours dans la précision, hein. Faut pas oublier que Mystico Gamer, il est. Voilà quoi, il est. Il m'a rentré dedans en plus. Non? Non. Non, mais t'es où? Je suis à Marrakech, moi. Ah, t'es encore à Marrakech? Ouais. Moi, je suis à Tunis. J'arrive à d'autres chameaux. Wow, la remorque elle est partie en portefeuille, elle a glissé, c'est magnifique! À d'autres chameaux? Ouais. Moi, j'y prends un dromadaire. Il va plus vite. C'est marrant, ils ont jamais soif. T'as fou, j'arrive à retrouver, c'est ce mode. Ça, ils nous coûteront pas. Ils nous coûteront rien en essence, eux, au moins. Franchement, non. Mais bon, je me demande c'est qui le chameau entre nous deux, hein? Enfin, entre la bête et nous deux. Entre la belle et la bête. Je peux klaxonner? Tiens, mange le poteau. Non. En plus, je rentre dedans. Tu m'as fait des dégâts. Arrête-toi là. On va faire un constat tout de suite. Hein. Oh, le poteau. On a tué le poteau. On a tué poteau. On a tué poteau. Did. Comment on dit honneur à toi en anglais? Je sais pas. Honors. Honor poteau. Faut que j'arrête de rendre que des conneries, c'est incroyable. Je vous jure, même en vidéo, parfois en solo, je suis pas comme ça. Mais c'est complètement n'importe quoi des fois. Quand je suis en multi, je débloque complètement. Voilà.
Y a Mystico, il vide. Ah, ça y est, il vide. Il vide. Ah, je voulais faire le freinage PGM, mais ça n'a pas marché. Allez, je te suis pour une fois, je te colle au derche. Bon, certes, j'ai tracteur un peu plus rapide, mais. Voilà oui, quoi. Que, moi j'ai pris une 2 chevaux, tu sais. Ouais, t'as pris une 2 chevaux, moi j'ai pris une 4L. C'est comme comparer une coccinelle et. Et. Et une Ferrari. Ah oui, ah ouais, ah pas mal le concept. T'as réussi à comparer la coccinelle en voiture à la Ferrari. J'avais pas Ouais. saisi ça comme ça. Moi, je pensais à la coccinelle, tu sais, la petite bête rouge avec les petits points noirs. Ouais. C'est bien ce qui me Après. semblait que tu pensais à ça en fait. Hein? C'est bien ce qui me semblait que tu pensais à ça. Ouais, c'est ça. Oh, on n'a pas fait partir le train. Oui, oups. Accident. Pour info, il y a une maison. Pour avouer, il y a une maison, c'est ça. En plus, on a que 126 000, donc si on fait pas partir le train, on va peut-être pas aller bien loin. Tu penses qu'on frôle les 200 000? Ouais, ce serait bien. Bah, j'aurais bien aimé dans cet épisode d'acheter deux véhicules quand même, deux Fendt. Ouais, donc il nous Pour faire faudrait pour. 422 000 quoi. Ah. C'est quoi ça? Ah, il y a une Wow! station service. Oui, il y a la station service Vis. Ouais. C'est pas la Avis, c'est la Vis. Voilà, c'est pour éviter les droits de d'auteur. Il craint, le crin. Voilà, comme je dirais moi, le crin. Wouhou! Le qui craint pas, le crin, regardez. Au revoir! Donc pour info, hein, cher abonné de Raph, il a fumé la moquette avant de tourner l'épisode, donc Non, c'est pour ça. non, non, la tapisserie était plus consommable. Non, quand même, s'il vous plaît, faut pas dire des choses pareilles. Non, mais. Ah mec, Mystico il est Gamer, c'est le pro. roi de la connerie, de toute façon, on peut pas changer, hein. C'est bien pour ça qu'il est là, hein, parce que. On est dû à faire des conneries comme ça, on le garde le temps, alors, vous savez. Moi, des conneries, jamais. Je suis très sérieux. C'est connu. Oui, ça c'est sûr, hein. Hashtag. Hashtag mythique? Mythique. Non, je suis pas un site de rencontre, moi. Hashtag mythique. Oh putain, ceci, elle va rester. Ah, Ouais. t'as l'autre qui t'appelle hashtag mystique. Ouais, je t'appelle hashtag mythique. Ah J'ai non, cliqué! Dililit! mais. J'ai pas marqué mythique sur ma tête, hein. T'as fait partir le train? Non. Non? Je suis à la ferme, là. T'as la ferme? Ah oui? Mais qui t'a dit de me traiter? Mais en plus, il me dit la ferme. Non, mais. Oh la Franchement. vache, c'est bon. Ah ouais, franchement, la vache. Un Ah beau oui, qu'est-ce que cochon. c'était bon! Ah, j'ai mangé à midi, c'était excellent. Bah non, Ouais. à midi j'étais au travail, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, parce que moi je travaille le midi, hein. Surtout le dimanche. C'est jour du Seigneur, vous comprenez? Ouais. Surtout que j'ai jamais cru en quoi que ce soit. Par contre, je crois que je suis perdu. Je Ça, suis c'est bien perdu. con. Ah ouais, complètement. Alors là, je me retourne vers le champ 38, 39. Ah non, si c'est bon. Par contre, tout a l'air d'être vide. Tout a l'air d'être vide? Ouais, tout est vide. Au fait, tu sais, il y a un panneau qui marque tout. Tu sais, moi, je fais le tour de tous les silos pour regarder ce qui est vide. Ouais, tout est vide. J'aurais regardé le panneau, hein, j'aurais été plus simple. Après, il y a la betterave et la patate. Ou alors, on Avec commence sa à patate. moissonner. Bah vas-y, let's go si tu veux moissonner. Comme ça, ils te voient moissonner, puis je reprends après. Tu veux chez moi, Sean? Ouais. Regarde ma tête. Et ma tête, elle te dit. J'ai la flemme de moissonner. Non, je vais moissonner. En plus, quelle connerie, j'ai fait caméra ma zoomée. C'est une première en vidéo, je vais moissonner. D'habitude, je le fais en accéléré. Ah ouais. Mais là, je vais pas le faire en accéléré cette fois-ci. Là, on va moissonner moi-même. Est-ce qu'on met par contre les copeaux? Ouais, Bah ouais, ouais. comme ça on presse, parce que moi j'aime bien presser derrière. Ah, t'es bien pressé? Ouais. Il est bien pressé, hein, vous avez entendu. Hein. Oui. Non mais faut pas porter ça à confusion tout de suite, hein, ça y est. Par contre, j'ai adoré le blanc. Pourquoi le blanc? Ah là, il y a un blanc. Ah. Tombé ta trousse. On a une presse ou. Non. Bah. On n'a même pas de ramasseuse. Les fériés du dimanche. Sans jeu de mots. Je connais dimanche, enfin bref. Est-ce qu'on fait on prend une ramasseuse ou une presse à balles? Ben non, on prend la balle, la presse. Il faut la ramasseuse. Ouais, mais prends déjà la presse. Comme ça, je vais presser derrière toi.
T'es pressé, toi, hein? Hollande, T'es pressé. Ouais. 58 000. Oh! Eh, hey, patron, là. Eh, patron. C'est toi, patron. El patron. Et patron. Voilà, donc Mystico Gamer, faut savoir qu'il va repasser derrière moi pour finir les petits trucs que j'ai oubliés. Oui, bah oui. Non, mais j'en oublie tout le temps, de toute façon. Alors, C'est bien connu, hein, les employés passent toujours derrière le patron. Hein. Oui, c'est vrai. Mais même quand je suis en solo, je le dis, hein. Même quand je suis en solo, quand je dis ouais, je veux le faire en accéléré, c'est en accéléré, c'est vrai. Mais c'est moi quand même qui moissonne. Ou quand je fais les choses, c'est moi qui le fais, je ne mets pas d'ouvrier. Ah bah oui. Ah bah non, autrement c'est plus du jeu, c'est même pas drôle. Mais. Il y en a qui doivent penser que je dois prendre un ouvrier qu'en fait pas du tout. Je fais ça à la loyale, hein. Ah, vrai loyal. À la main. À la main, enfin, tout à la. Au volant, quoi. Non, même pas. Tout à la manette. Ah ouais? Ouais, je joue avec la manette Xbox Afterglow. Mmh. Elle, c'est sympathique, vrai. Transparente, elle clignote en vert dès qu'il y a une action, dès qu'elle vibre. Ouais, c'est sympathique. Mais j'ai l'impression que Farming ne me retransmet pas les vibrations. Ah. Ouais, sur la manette, ça c'est bien dommage. Bon, oh, après, je suis pas grave. Tu préfères quoi de sa vibre, cochon, hein? Non. Non. C'est en train de partir aux cacahuètes. C'est ça le problème. Ne soyons pas insolents. Ouais. Putain, je moissonne comme ça, comme n'importe quoi. Franchement, j'adore. Ah, il y a un truc que j'aurais voulu, que j'aurais aimé. C'est que tu vois sur Eurotruck, pour changer complètement de conversation, c'est que tout à fait logique, mais bon, ça arrive. C'est qu'ils auraient pu ajouter, tu sais, le système de traces comme le farming au sol. Ouais. Ça, j'aurais bien aimé. Ouais. Bah, pète un coup, tu verras, tu vas en avoir des traces de. Non, mais ouais. Le pauvre. Mystique, le pauvre, hier, il était tout ça, je disais rien, aujourd'hui, il pète un câble. Ah, c'est incroyable. Tu verras tout à l'heure quand Fly viendra, c'est tout. Fly, Fly. Bienvenue chez Fly. Fly. Non, pauvre Fly, hier, miskin, il m'a fait. Le pauvre, il m'a, je sais pas. Image, j'en sais rien en fait, je sais même pas pourquoi je viens de dire ça. Des fois j'arrive pas à comprendre, des fois je sors des phrases comme ça et puis j'y termine pas. Complètement malade ce mec. Complètement malade. Vive Farming, moi je vous le dis, ça nous tape au cerveau cette affaire. Mais en tout cas, franchement, moi je kiffe cette map. Faut reconnaître que j'adore. Elle est sympa. Ah, franchement, il a fait un bon boulot Restricted dessus et elle a vraiment du mérite, hein. Elle a du mérite, hein. Surtout qu'il a bien rassemblé le grand champ là, ici, c'est plutôt pratique. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient qui. Moi je l'avais fait ça, je l'avais essayé de rassembler les trois champs pour en faire un seul grand. Et le concept est bon. Mais il y en a beaucoup qui jouent sur la Vosges, hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui jouent sur la Vosges. Moi je l'ai connu à l'époque quand elle était. C'était la 3.0, non, une connerie comme ça, je crois. Ah, peut-être, ouais, moi j'ai connu que la 4.0. Ouais. Oh, je me suis spoil. Je n'ai jamais voulu lui dire. Oh, le mec. Il vient de se dévouer tout seul. Et t'as vu une réelle évolution ou pas Oh oui. Cette map et... Oh oui. Ouais. Oh oui, déjà d'entrée de jeu, quand t'arrives, tu prends une sacrée claque parce que ce niveau, je veux dire, elle est bien optimisée. Mais je veux dire, il y a quand même pas mal d'objets qui ont été remplacés, qui ont été déplacés. Remplacés et déplacés. Je tiens bien à le repréciser, parce qu'il y en a qui vont comprendre déplacer, déplacer, ou remplacer, remplacer. Ce qui a fait totalement contraire. Voilà, mais dans l'ensemble, ouais, il y a pas mal de trucs qui ont été changés quand même. Je veux dire, ça fait un sacré rafraîchissement de map. Hein. Ouais. Ouais, ouais, parce que la 4.0 n'était pas faite comme celle-là. Elle était à peu près faite comme ça. Mais je veux dire, les silos, tout ça, ils y étaient pas. D'accord. Par contre, t'as oublié une toute petite touffe. Hein. Où ça? Où je suis. Ah. Ah là 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 là. J'ai oublié une touffe. Ouais. Parce qu'il faut savoir que Mystique, il est derrière moi, là, en train de me faire faire des balles. Ah non, t'as pas acheté la presse, si? Ah bah non, je crois que tu l'avais acheté. Ah non, mais j'ai pas d'argent. Ah. J'y suis pauvre. J'ai pas y chou. Bon, je décroche, puis je vais aller la chercher, hein. Je vais chercher presse, alors je prends laquelle? N'importe. 58 000, 128 000? Bah la 58 000, quoi, parce que je veux pas dire, mais c'est un peu la dèche.
Ouais, c'est une balle ronde. Ouais. Action! J'achète! Il faut la remorque maintenant. Ouais. Il faut la Je machine. cherche le magasin. C'est quoi ça? Ah, une enrubanneuse! Je vais m'enrubanner. Moi, je vais prendre la machine. Je te prends la remorque à balle ronde. Ouais. Et tu veux une enrubanneuse? C'est le dépôt, non? Non, c'est pas ça. Non, c'est où le, il est où le magasin là? Le magasin, il est. Tu veux que je les. Tu veux que je. Tu veux que je les réinitialise? Non, je vais aller les chercher. Ah, c'est sympa, j'avais jamais découvert ça, le nombre de joueurs sur sur la partie. D'accord, donc le blé il est en chute, l'orge il est en chute, il est moyennement moyen. Le colza il est en chute, l'entrepôt, et le maïs est en chute. Donc l'orge on n'a pas tout récupéré ici. Pomme de terre. Ah, il y a du lime. C'est quoi le lime? Je sais pas. Tiens, je t'ai tout réinitialisé. Ok. Et Bon. la machine à balles avec. Voilà. Ouais, par contre, je suis bientôt plein au niveau moisson. Alcoolique, on le sait que t'es plein. Alors. Ouais, ça se sait. Ouais. C'est l'effet boisson. Maintenant, faut que je les trouve dans la ferme. Ouais, à pas oublier que les véhicules, il faudra qu'on pense à les ranger, les laver une fois qu'on a fini avec. Ouais. T'as fait le mec qui est pas trop ordonné. Non mais même c'est logique hein. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure hors vidéo, moi c'est je chope un véhicule à un endroit, je le remets à un endroit quoi. C'est un tic, ça, tu sais. Ouais. Et je suis pas un chien hein. Bon. Non, j'ai pas dit ça. Ah, par contre. Oui, tu vas sûrement te comprendre. Oui, tout à fait, je. Voilà. Des fois, je comprends un peu les choses à l'envers. Ça m'arrive comme si c'est grave. Putain. En plus, on a encore du retrait à faire. Ouais. Oui, parce qu'à savoir qu'il faut bien préciser, c'est que les épisodes de Farming Simulator en multiplayer seront sur ma chaîne et le Euro Truck seront sur la chaîne de Mystico Gamer. Voilà. Tu sais plus moi. Et que Mystico Gamer est mon nouveau designer de ma nouvelle intro qui va nous serait bientôt arriver. Ouais, je te. Bientôt. Je sais pas, je dis ça, mais je vais pas proposer. Donc Mystico, je pense qu'il va se Ouais, mais dévouer pour me après. faire mon intro. Ouais. Voilà. Oh, on fera ça. Je ferai ça tout à l'heure. Hein. On se fera ça en Oh. partage Skype. Tranquille. On fera Après, tout c'est vrai ça. que moi, je sais pas que j'ai mis une mauvaise foi. C'est vraiment. C'est le temps, en fait. Je n'ai pas énormément de temps. J'aurais pu la faire, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que le temps avec le boulot, tout ça, c'est assez difficile. Ah ouais, bah moi j'ai un des plus beaux métiers du monde, chômeur, donc j'ai le tout le temps quoi. Mais tu as quel âge, Mystico? Je sais même pas ton âge. 23. D'accord. Je croyais que tu étais mineur, excuse-moi. Eh oui, j'ai 23 ans. C'est Ça se encore un voit jeune, ça, non? c'est un jeuneau, c'est un jeuneau, je le confirme, il est très très jeune. Comparé à moi, c'est un jeuneau. Moi, je suis un vieux crouton à côté. Oui, bah ça on le savait, hein. Je te Et remercie. pourtant. J'allais dire enfoirox, mais. Bien sûr, en toute bonne amitié, je rigole. Oh oui. Faut bien rire. Oui, Je pourtant. suis plein. Je suis plein. Je suis plein. Je fais quoi? Je suis plein. Bah va te les vider, enfin va vider. Bah non, mais j'attends que tu viennes me vider. Bah attends, t'es juste à côté, tu te fous de moi ou Bah quoi? oui, moi je sens pas mon tracteur. Moi je suis le moissonneur qui ne descend pas de son tracteur. Ouais, bah regarde, je vais devoir me taper tout le champ pour venir. Ah là 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 là. C'est un ouvrier que bientôt je vais finir par licencier. Ouais, non, non, je démissionne, tu me licences pas. On a 100 929. Si tu veux rentrer dans la catégorie associée, il est temps que tu te mettes au boulot. Bah oui, hein. Oh. Là, je le fais souffrir dans le retrait qui va me faire souffrir. Ouais. Il court, regarde le petit bonhomme, il court. C'était trop marrant. Foutez de ma gueule. Avec le petit jump qu'il avait. Ah, c'était excellent. Ah, j'adore. Cours pas si vite, hein, tu risques de te décrocher une patte. Il a un tracteur qui me va méchant vite. Il va à 62 km/h, mais là, il a pris la 2 chevaux. Mais l'autre il C'est comme fait. si le mec, si tu lui proposais une 2 chevaux comparé à une Porsche, il prendrait la 2 chevaux. Parce qu'elle va moins vite. Au nom de l'émission de Top Gear, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Tu connais cette émission? Ouais, je connais, ouais. Ah, ils sont forts, hein, ils sont forts. Franchement,
Je l'adore. J'adore ces trois mecs qui sont. Oh. Je peux pas louper un épisode une seule fois. C'est comme Joséphine Mimimati, quoi. Elle est bien, elle aussi. Ouais. T'as vu tout dans ces films? C'est quand même. C'est Big Mass, hein, t'as vu? J'ai essayé de faire pareil la dernière fois, j'ai claqué des deux doigts carrément. J'avais prié pour des billets, mais je me suis pris deux cailloux. Ah, mais tu sais, les mauvaises blagues lui passent au-dessus, quoi. Enfin, bref. Ouais, les mauvaises blagues lui passent au-dessus. On va reprendre notre tracteur, hein, puis je me tais. Avant de m'en mettre quelques. Ouais, j'ai chaud, je vais commencer à enlever un peu ma chemise parce que là, je transpire comme un cochon sur ma chaise. Tu veux éviter de nous faire un striptease parce que... Non, parce que j'ai un t-shirt dessous. On a fait assez de cauchemars pendant la guerre. 14-18. Ouais. Grande époque. Très grande époque. Franchement, on leur doit tout le respect à ces personnes-là. Ouais, c'est clair. Franchement, j'étais pas très fort en histoire dans ces domaines-là. Ah si, pour raconter des histoires, moi si. Ah, pour raconter des histoires, ça par contre, oui, tout le monde sait le faire. Tiens, j'ai vu Jean-Paul là-bas. Mais non, pourquoi? Parce que moi, j'ai pris Jean-Paul là-bas. Moi, c'est une première en vidéo que je me dépoile. Hein. Ouais. Sous le sens que j'enlève juste une chemise et que j'ai quand même un t-shirt dessous. Voilà. Et je ne mettrai pas d'étiquette pour la marque ici. Hein. De toute façon, vous la voyez pas, donc comme ça, faire vite vu. Bah, dis qu'ils sont biglés aussi. Non, parce que j'ai la caméra qui est en double zoom. Qui est en zoom. Sur ma grosse tête. Voilà, parce que je me trouvais beaucoup trop éloigné sur la caméra avant et j'aime pas trop. Ah, 9, non, j'ai fait 9. T'as le droit de moissonner, hein, Flemmard. J'essaye. Je moissonne quand je peux, pas comme je veux. Ah, écoute-le. En plus, je me fais engueuler parce que je moissonne. Ah bah oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah bah oui. Mais la prochaine fois, je pense que les moissons, les cultis, tout ça, je pense qu'on va repartir on va repartir sur le concept du mode en accéléré parce que je vois que pendant 2 heures, que moissonner, ça va être longué à la longue. Franchement, ils vont péter un câble. Ah bah, n'hésitez pas à nous le dire hein, dans les commentaires si vous préférez nous voir moissonner et tout comme ça ou en accéléré. En accéléré, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Après, c'est voilà quoi. Voilà. Bon, ça sera eux de décider. Et encore, t'imagines. Et oui, il faut bien qu'ils décident. Par contre, voilà, il me fait des balles rondes, mais il me les fait dans le sens inverse, non? Non. Non. T'as vu comme elle en fait toutes les 10 secondes, c'est chiant, hein. Faut s'arrêter, faut repartir. Ouais, mais je m'en fiche, moi j'aime bien presser. Ah, t'es bien pressé. Ouais. Pressé comment? Pressé comme une les orange balles. Pressé comme une orange, hein. Ouais. Bon, ouais, t'es ah oui, non, mais c'est comme le citron qui rentre dans la banque, quoi. Puis je dois d'abouler le fric, je suis pressé, enfin bref. Voilà, quoi. Dépêche-toi, je suis pressé. Ah, bravo. Ah ouais, le truc, quoi, pas mal. Ouais. Moi aussi, je suis pressé. C'est comme le singe quand il sourit, il a la banane, hein. Enfin voilà, bref. Continuons à presser. Hein. Je crois que là, sur tes 130 abonnés, t'en as 120 qui sont décédés suite à nos conneries. Ouais. Ah, mes abonnés. Ah, sans eux, qu'est-ce que j'aurais fait? Rien. Ils me donnaient la puissance. Sans toi, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tout. Le gros foire de service. Oh ouais, grave. Mange du pain. Avec du boursin ou... Franchement, je vois pas pourquoi je t'ai dit mange du pain, je vois pas le concept du pain. Qu'est-ce que le pain vient foutre là? Moi non plus, mais bon, c'est pas grave. Picore du pain. Ouais. Parlant de picorer, tiens, on l'entend plus le coq. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que j'ai été lui tordre le cou. Oh, pauvre bête. Je vais t'envoyer l'SPA, moi. Ouais. Association Brigitte Bardot. Bonjour. Oh, la balle, elle se fait la malle. Reviens ici. Ma balle, reviens ici. Mais bien là. La balle, elle se fait la malle, elle roule. Je vais plus vite que la balle. Salut.
Voilà, j'ai été plus vite que la balle, je suis pas chez le vent, mais elle me rattrape la vilaine. Ah la cochonne. Ah carrément quoi. Carrément. On se croirait limite dans Far Cry quoi, avec la vulgarité dont tu nous fais. Génial quoi. Je me croirais limite dans... Comment il s'appelle ce jeu? J'avais bien aimé, c'était Saints Row. Le Saints Row 3. T'as, c'est un vrai pur jeu celui-ci. Hein. Je l'ai pas accroché perso. Enfin, jamais accroché un Saints Row. Mais... Ah bon? Ouais. Ah, t'accroches pas Saints Row, t'accroches pas alors Far Cry. Bah pourtant, Far Cry, j'aime bien. Ah, t'aimes bien? Je ne possède pas, mais j'ai regardé des streams. Mais voilà. Moi, je suis vraiment... J'ai envie de tester le 4. Mais avant de tester le 4, je voulais vraiment finir le 3 avant. Ah oui. Parce que l'histoire est jolie du 3 et franchement, c'est vraiment des... C'est une très très belle... Ils ont des très belles cinématiques. Hein. Ah ouais. Les Saints... Ouais, j'allais dire les Saints Row, les Far Cry. Les Far Cry. Voilà, ils ont des très très belles cinématiques, franchement, elles sont magnifiques. Hein. Vraiment super bien joué, bien foutu, bien fait. L'histoire est bonne. Je veux dire, on se croirait presque dans un film, quoi. Je veux dire, donc... Après, c'est vrai que c'est un monde différent. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et c'est un GTA-like, non? Ou... Non, totalement différent. Ah ouais? Ouais. Sans, Far Cry, c'est plus, on dirait, du Tomb Raider. Y a du, c'est mi-Tomb Raider, mi un petit peu Saints Row, tu sais, au niveau flingue. Mais c'est plus basé sur Tomb Raider parce qu'il y a une aventure, il y a une histoire, il y a des sauvetages à faire. Puis le décor est magnifique quoi. Je veux dire, t'es dans les, je sais plus quel pays, je me rappelle plus le nom du pays, je sais plus le pays qui c'est. Et franchement, niveau déco, il est magnifique. L'environnement est super bien fait, sous le sens où tu sais, c'est très tropical quoi. Ah ouais, c'est ouais, tropical. Pour déco, ils ont appelé Valérie Damido, non? Non, parce que c'est vraiment très nature. Franchement, franchement, t'as même Zoan. Ça fait limite Zoan Hunter aussi, tu tues les animaux. Ah ouais? Ouais, tu tues les animaux, que ce soit des cassoirs. Mais en plus de ça, c'est qu'ils se rebiffent. Ils viennent te bouffer. Bouffer. Et après, sur la limite de Saints Row, c'est par rapport aux véhicules. Tu peux conduire les véhicules, mais c'est plus du FPS, quoi. Far Cry. Après FPS, il y avait un jeu qui était bien. Je me dis qui c'était. C'est Bibi. C'est Bibi, bip bip. Voilà, on a bip bip et... Puis il y a le coyote devant, là. Le coyote, il va pas vite, hein. Ouais. Et bip bip, il va toujours plus vite que coyote, c'est pas normal. Ouais. Pourtant, il a une cervelle d'oiseau, bip bip. C'est vrai? Ouais. Bah oui, c'est un piaf, hein. Eh oui. Bah alors, patron. Et patron, il a payé son bac de patron. Si le bac à sable. Oui, c'est déjà pas mal. J'aurais pu attaquer le bac à sable après le bac à sable. Le bac à eau, hein. Ouais. Bac à eau chaude, bac à eau froide. Si, j'ai eu le bac plus 2. Un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, c'est déjà pas mal. Puis je vais peut-être avoir le bac plus 3 pour le sable. Ouais. Ouais, parce que. On m'avait dit que ça faisait une meilleure expérience. Non. Tu vois des bacs à sable entre Pelerato et Château de Sable. Wouhou. Et la Trouelle. La Trouelle, faut pas l'oublier la Trouelle. T'es portugais toi? Non. Un Ouloukouptel. C'est quoi un Ouloukouptel? Un avion avec des geliches. Un à quoi? Un avion avec des geliches. Ah, j'ai un avion avec des geliches que je cherche. Ah, parce que tu t'aimes bien parler comme ça. Ok. Ouais. Oui, génial comme ça. C'est pour ça que je peux péter les murs de ma baraque. Avec le cousin portugais. Mon. Oh. Je suis trop vite. Je suis planche. Ah, t'es plein? Je suis planche. J'arrive. Bon. Oui, je suis en m'abuse. Téléportation. Je suis en m'abuse. Sors ta buse que je te vide. Oh putain. Pardon. Moi je descends, j'en ai marre, je me tire, je me casse en vacances, salut tout le monde, allez j'en ai marre. Je cours comme un lapin, sortez le fusil. Tu vas descendre de ton tracteur toi.
Titut. Titut. Aïe, aïe. Aïe. Oh, je glisse. T'as glissé, chef? Je glisse. Oh, dans la remorque. Bon, dessus, la remorque. En fait, je suis équilibriste, je marche sur la barre. Allez, le grain. Je prends une douche de grain. Ça marche pas. Si. Tu sais, tu m'as vidé un... Ouais. Tu veux faire un aller-retour et puis on met fin au premier épisode ou tu veux faire comment? Bus fermé. Tu veux finir les balles? Ouais, bah je vais finir la tracée là. Le tracé là plutôt. On y fout un ouvrier. Tu vides pas derrière. Ah si, j'ai rien dit. Je vide pas? Hein? Ouais, par contre, moi j'ai pas démarré la. J'ai pas démarré la machine. Ah bon? Ah oui, ça marche mieux. Non, mais je la voyais au régime du moteur, tu sais. Ouais, il est trop gros, donc je lui fais un régime. Ouais, t'as pris des kilos en trop? Ouais. Ah, je suis pour ça. Bah tiens, en plus, c'est pas Fly aujourd'hui qui récupère un retruck? J'ai cru que t'allais dire c'est pas Fly qui fait un régime. non, il récupère Farming. Il récupère Farming? Ouais. Il a pas déjà, il a pas un retruck? Non. Et là, peut-être qu'il adore pas le concept de retruck, non? Si, si. Non, mais ça prendra plus tard, je crois. Farming, c'est déjà pas mal. Oui. Putain, c'est vrai qu'on va être 3 maintenant. Ouais. Oh my god, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. À 3 sur Farming. Putain, on va se retrouver à combien bientôt? Venez autant nombreux que vous êtes. Non, mais franchement. On arrête nos conneries. Et pour... Mes pauvres abonnés, mes pauvres viewers, mes pauvres amis. Ils vont péter un plomb. En fait, j'ai fait que ça. Bah oui. C'est peut-être temps de racheter une barre de coupe, en fait. Hein. Tu m'étonnes. Allez, je m'étouffe, c'est normal. Ouais, bon, silence, de préférence. Oui, j'essaierai. Putain, comme il est en fait, il me souhaite ma mort et tout. Ah, hein. Oh, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Bah, vas-y, recule. Je fais ça comme de la merde. Recoule. Recoule. Ah, mais non. Ça, c'est sur les toits de maison qui recoule. Tu veux pas recouler, non? Non. Je vais déroucouler. À mon avis, on n'aura pas tout fait dans l'épisode. Hein. Non. Non, on a 53 minutes de vidéo et. Nous sommes coquards du champ. Ouais. Donc. Et à la fin du pastis. Enfin, bref. À la fin du pastis. Ouais. Non. Tu m'as fait m'étouffer avec tes conneries. Mais c'est excellentissime! Bravo! Ah là là, quelle participation. Ouais. Quel investissement. Tu veux faire quoi, par épisode d'une heure ou... Ouais, je pense. On verra bien celui-ci, ce que mes abonnés en pensent. Bah oui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Hein. Merde, je trompais de touche. Ouais. Savoir si une heure, si ça fait trop ou pas. Je pense que le concept est bon pendant une heure. Bah ouais. Personnellement, je trouve ça sympa. Après, ça a eu du jet. Hein. Après, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose actuellement. Là, c'est le début de la map. Je veux dire, on fait pas excessivement grand-chose. Ouais. Puis il nous faudrait une bonne... un autre personne avec nous. Hein, Fly. Oui, Fly. Freeze. Une fois que tu l'auras regardé la vidéo, toi, tu vas te faire engueuler. J'y penche. Eh ben, il pourra laisser un gemme au moins. Ouais. Bah, tu termines la. Là, je pense que ça va être bon, non? Je pense aussi. Bah, de toute façon, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode d'aujourd'hui. Ce qui suffira amplement. J'espère que déjà. Ça fera 55 minutes de vidéo à peu près. Ça suffira bien amplement. Donc, en tout cas, t'as pris. Ça va, ça, tu t'es bien amusé quand même. Ah oui, moi, nickel. Ouais, ça t'a plu? Ah, ouais.
première appréciation sur la map des Vosges? Franchement, c'est une bonne map. J'aime bien. Après, hâte d'en découvrir plus, quoi. Au fur et à mesure des épisodes. Ah bah ça va, alors tu vois, c'est un bon concept dans l'ensemble. Par contre, là, t'es en train de nous chier, hein. N'importe quoi. T'as vu, derrière, là, ouais. Ce que tu te loupes. Tu te loupes, là. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on va, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro... zéro, parce que c'est tout nouveau, c'est un tout nouvel épisode, c'est une toute nouvelle, on va dire, une carte suivie, en quelque sorte, sur le multiplayer de Farming Simulator, ce qui va nous faire un peu de bien, comparé au solo, voilà, ça fera un petit peu de renouveau. Moi, je vous remercie énormément de l'attention que vous avez pris à cette vidéo, ce qui me fait énormément plaisir, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez amusé à la regarder avec toutes nos conneries du jour, et cela ne se sera pas terminé aussi vite. Et ça ne se terminera pas aussi vite parce qu'on aura encore d'autres et encore plein d'autres de conneries en vidéo, bien sûr. On va dire un peu plus sage quand même. Hein. On va essayer. Voilà. Donc, moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut à toutes et à tous. Ciao.